Gao Marvel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est là pour le Big Rasso avec Ludo et Broly. On est venu histoire de partager un bon moment avec les mecs de Bercy. Allez, c'est parti. C'est de la fête, mais on prend de plus en plus. Dis-moi pourquoi il y en a un dans la vache. Ok, donc là je suis avec mon gars Shenty. Shenty, c'est l'un des mecs de l'ombre dans ceux qui gèrent un petit peu le parc de Bercy. D'accord, il est là pour faire avancer les choses et c'est avec des mecs comme lui qu'on avance aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu. Moi c'est Shenty Alexis, le représentant de la Fédé nationale de street workout calisthénique sur le site de Bercy. Et je suis aussi un des principaux coachs en freestyle de Bercy. Donc tout ce que tu vas apprendre en freestyle, ça passe par moi. Ok, j'en profite frérot pour poser une petite question. Dis-moi, qu'est-ce qui fait pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le parc de Bercy, il y a autant d'émulation, il y a autant de buzz? Comment ça se fait? Ça s'est fait progressivement avec les années, mais le fait qu'on soit devant la gare routière y a fait pour beaucoup. Et peut-être aussi de soutien de la mairie involontairement. Parce qu'ils voulaient nous détruire le site il y a un ou deux ans. Et du coup, je suis intervenu avec TF1 et France 24, BFM. Et on a entendu parler de nous un peu partout. Et au final, quand j'ai eu la réunion avec la mairie, ils ont décidé de garder le terrain, soi-disant parce qu'on était des exemples. Je vois. Ok, en tout cas, Shenty, merci pour ce que tu fais. Merci d'être là. Allez, on se retrouve pour un autre exercice. Hey, c'est quoi ton tour, hein? Je sais pas. Tu me dis la fonte, yo. Non, les filles, c'est pas en même temps. Bon, tout. Allez, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 100
Yes. Allez, allez. Wouh. Allez, viens. Bien. Ok, ok. Là, je suis avec le Big Ludo. Je viens de l'éclater au challenge là. Je l'ai éclaté en traction, je l'ai éclaté en pompe. C'est un menteur. Je lui laisse un peu de répit en répondant à mes questions, comme ça il se repose un peu. Parce que là, il est fatigué. Il ment. J'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que tu vois une cagoule? On veut savoir pourquoi tu es masqué. Vous voulez vraiment savoir? C'est parce que je suis pas beau. Non, je rigole. C'est parce que j'aime rester anonyme, tout simplement. C'est pas pour le style ou quoi, ok. J'aime mon anonymat, point final. N'allez pas chercher midi à 14h, c'est pour rester anonyme. Voilà. Est-ce que tu te rappelles, Floro, déjà, il y a un moment, on se parlait déjà depuis un bon moment, et un jour, tu es venu sur ta cagoule, et tu es venu me checker. Et je me suis dit, mais c'est qui ce Renoir? Il vient me checker comme si on se connaissait. Tu m'en rappelles, tu m'en rappelles. Sauf que moi, je l'avais jamais vu sur sa cagoule. Et ça m'a fait tirer ce jour-là. Merci, bon. Merci d'être ici, merci de partager avec nous. Merci. Merci de donner la force. Bonjour. Et puis voilà, t'as des projets un petit peu dans le script à nous faire partager. C'est quoi ton principal projet? Là en ce moment les gars, mes programmes de coaching en ligne ils sont disponibles les gars. Vous allez sur mon Instagram, vous cliquez sur le lien. J'ai fait un truc propre pour tous les sportifs. Il y en a pour toutes catégories. Débutants, intermédiaires, confirmés. N'hésitez pas à les checker. Vous serez pas déçus les gars. Force à vous. Bienvenue les filles. Yo, 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 c'est ton gars Omar Bell. Je vous explique ce qui se passe. Donc, on a eu l'idée de faire des petits challenges entre nous, par groupe de deux. Donc, il y avait un challenge traction. Le but, c'est d'arriver à 100 tractions le plus rapidement possible. Moi et Bantou, on est arrivé dernier. Ensuite, c'était les pompes. C'était faire 200 pompes le plus rapidement possible. Moi et Bantou, on est arrivé dernier. Et enfin, on est parti sur 10 muscle up. 200 squats sautés, et moi et Bantou, on est encore arrivé dernier. Mais bon, tranquille, le but c'était de se rassembler, de partager un moment, de se challenger un petit peu, et peut-être que je vais leur offrir des petits cadeaux à la fin, je vais voir, on va voir. Mais en tout cas, je suis content, il y a une bonne ambiance, il y a du monde qui commence à arriver, les gens partagent, ils échangent, c'est ça que je voulais. Voilà, à la base, l'initiative vient de Broly et Ludo, ils m'ont contacté pour faire un rasso. Tu connais ton gars Omar, toujours dans les bons, dans les complots, tu vois. Donc j'ai dit ok, on va organiser ça. Là du coup on organise ça et ça se passe super bien. Donc voilà. Bien, on y va, c'est bien. Vous avez validé. Ok, là je suis avec mon frérot Broly, la machine de guerre. Broly, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi tu as eu l'idée de créer ce rassemblement aujourd'hui? Alors le but de ce rasso, ça a été de propulser l'image française. Et comme on peut le voir, souvent on voit de nombreux athlètes sur internet, mais jamais en présentiel. Et là le but c'est de se rendre présent et de partager cet état d'esprit et le concept sportif sur ce terrain, qui est reconnu aussi pour ses réseaux sociaux. Et ça me fait un réel plaisir de pouvoir partager tout ça avec eux, ainsi qu'avec Omar et les All Bars. Donc l'image, on va essayer de la développer déjà d'un point de vue national et international. Voilà. Clair, rapide, concis. Merci frérot. D'ailleurs, on va communiquer. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis avec Kenneth et Clément. Donc les gars, merci d'être là. Merci d'avoir organisé le rasso. Écoute, c'est un grand plaisir. Les gars, j'ai une question. Vous êtes de quelle origine tous les deux?
Vas-y, commence. Je suis chinois-vietnamien. Chinois-vietnamien ? Ouais, moi je suis chinois-laotien. Chinois-laotien. Ouais. Et les gars, j'ai remarqué un truc dans la communauté asiatique, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit un asiatique débarquer sur les réseaux sociaux dans le milieu du sport, souvent il est balèze. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe chez vous, hein, en ce moment-là, hein ? C'est la rime. C'est la rire. Moi j'ai du rire beaucoup. Voilà, c'est ça, y a pas de secret. Non. Ok, ok. Son secret, c'est les dips. Ok. Et toi ? Moi j'ai essayé de le rattraper d'abord. Ok, oui, il est voilà. Fort partout. Vous faites des compétitions un peu ou pas du tout ? Ouais, j'ai une compétition là qui est prévue en octobre. Ouais, tu attends quoi ? Ça va être une compétition de dips pour l'instant. C'est où ? Et plus tard, je vais préparer les 4 mouvements aussi en compète. Donc je pense que ça va se passer à la Courneuve. C'est parti. Mais voilà, on reste secret là pour l'instant. Ouais. Ok. On va silencieux. Ok, et toi ? Moi, si j'arrive à prendre du niveau, je vais peut-être viser les premiers pas l'année prochaine. Aïe ! Donc on va voir. Hein. On va voir. Okay. Et voilà. J'ai une autre petite question. C'est la deuxième fois qu'on se voit à un rassemblement. Ouais, le premier, c'était le rassemblement de Baki et Ludo. Si vous voulez voir la vidéo, d'ailleurs, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Ouais, allez voir sa chaîne, vraiment. Voilà. Comment ça se fait que vous allez souvent dans les rassemblements? Parce que là, c'est quand même la deuxième fois qu'on se voit. C'est quoi? Vous aimez bien partager avec les gens? C'est quoi? C'est partir à la rencontre des gens? Qu'est-ce qui vous plaît dans les rassos? C'est ça, hein, c'est la vibe, le fait de voir les gens qui aiment s'entraîner, qui aiment se dépasser. Et puis avec la hype et tout, on se motive tous ensemble et ça nous pousse à donner toujours plus. Comme ça qui nous rend plaisir. Voilà, c'est ça. C'est ça, on a tous la même passion, on est rassemblés au même endroit, on kiffe, on fait du sport et voilà. Ouais. Surtout rencontrer des gens sympas et puis avoir des personnes comme toi et qui organisent ce genre de rassemblement, je trouve que c'est vraiment cool. Ça permet aussi de démocratiser la discipline et d'ouvrir à plus de personnes. Donc quand il y a plus de monde qui font ça, c'est, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ok, ok, bah, écoutez les gars, ça fait super plaisir. D'ailleurs, vous avez un super beau t-shirt sur French Vision. Ouais. D'accord, donc dédicace à Baki et Ludo. Bon, maintenant, ça suffit les bêtises. Faut acheter mon t-shirt maintenant. C'est nos rep, les gars. On attend plus que ça. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, on partage ensemble et puis c'est cool. Merci, okay merci les gars. Super, merci. Super. 4. Ok, ok, là je suis avec le frérot Lloyd. Lloyd, un grand merci d'être venu. Ouais. Merci à toi. Tout d'abord, pourquoi tu es venu à ce rassemblement? Qu'est-ce qui t'a fait venir? Alors déjà, pour un premier temps, parce que je suis abonné à Omarvel et à Ludo Jaima, donc en cliquant un petit peu sur Insta, on a vu un événement pour aujourd'hui, le 13, je me suis dit bon, je vais y venir, sachant que j'avais fait un petit peu d'exercice physique déjà le matin, je me lève tous les jours à 4h du matin pour faire un petit peu d'exo, je me suis dit bon, on va regarder ces grands monsieur nous apprendre un peu la vie du street workout. Donc attends, tu m'as dit quoi? Tu te lèves à 4h du matin? Je me lève à 4h du matin pour faire un peu d'exo physique. Mais il faut savoir une chose, c'est grâce à des mecs comme vous que voilà, on se motive pour faire des trucs, pour se donner un petit objectif dans la vie, dans le sport, puis dans la vie de tous les jours, ça éduque. Donc c'est pour ça que dès 4h du matin tu te lèves, tu sais qu'à un moment donné ta journée tu l'as faite. Tu vois, ça te permet de mieux réfléchir, ça te permet de mieux anticiper les choses. Mais voilà, et je réitère ce que je dis. Il y a ces messieurs qui sont là, Omarvel hein, et Ludo Jaima et plein d'autres. Donc continuez comme ça les gars. Et, c'est propre, c'est clair. Mais écoute, ça fait super plaisir. Tu as dit aussi quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de motivation. Je pense que, effectivement, avec toute humilité, je pense qu'on donne un petit peu de motivation aux gens. Mais je tiens à relever un truc, c'est que tu as dit que tu te levais à 4h du matin. Pour se réveiller à 4h du matin, venir faire du sport, c'est plus de la motivation, on est dans la discipline. Donc tu es discipliné et la discipline c'est plus important que la motivation, parce que la discipline que tu as envie ou que tu n'as pas envie, et ben, tu dois faire quelque chose. Alors que la motivation c'est quelque chose d'éphémère. Aujourd'hui je suis motivé, je fais du sport, demain je suis pas motivé, je fais pas. Alors que quand tu es discipliné, et ben, tu fais des choses. Et par rapport à ça, respect. T'as quel âge? 38 ans. 38 ans, tu te réveilles à 4 du matin pour faire du sport. Ah oui, parce qu'on commence à vieillir, on commence à prendre l'âge. Mais ça se voit pas. Bah écoute, ça c'est un compliment. Donc ça me... Là on va parler de motivation cette fois-ci. Ça me motive à être encore plus discipliné. Voilà. Donc c'est good. Non, mais franchement c'est un super bon travail. Là en fait on voit que tout le monde est là. Il y a même carrément des gens outre-Atlantique qui viennent.
Ukraine. On a pu voir un Américain qui est là-bas. Donc, on se dit, franchement, les gars, Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Juste pour savoir, comment tu nous as découvert, moi par exemple. Alors, pour au Marvel, c'est comme je suis abonné aussi à Marvel Fitness, hein, John Coffey. Voilà, monsieur John Coffey. Je l'ai beaucoup soutenu dans ses problématiques. Hein. Donc voilà, force à toi encore une fois. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'il y avait une petite divergence, un petit débat entre vous deux, pour savoir si le street workout apporte du muscle ou autre. Selon Marvel, bah oui, mais bon, faut rajouter en charge. Mais est-ce qu'on prend autant qu'un mec qui fait de la musculation? Ça crée des débats. Voilà, c'est discutable, on va dire. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombé sur ta chaîne. Et puis après, à un moment donné, je me suis abonné. Et puis j'ai regardé pour vous. Et bah écoute, hein, avant de taper un peu de sport, on regarde les contenus de ces messieurs et puis on se dit, bon ben vas-y, ben, c'est parti quoi. Bah écoute, ça fait super plaisir, c'est des choses qui font plaisir à entendre et qui nous motivent à essayer de continuer à faire du contenu. C'est mutuel. Je pense que les êtres humains, on est là sur cette terre pour s'entreconnaître. Pour s'entreconnaître et se justement voir la force des autres. Et puis dans la connaissance des autres, on évolue. Il y a aussi une question d'énergie. C'est quand les gens te ramènent une bonne énergie, bah, tout ça te donne de la force. Et forcément, aussi, toi aussi, tu as envie de donner. Tu vois, et le fait de partager, bah, ça fait que tout le monde monte après derrière. C'est un échange mutuel. Quoi. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est comme ça que les êtres humains doivent se comporter. Apprendre à connaître les gens et trouver là où il y a une plus-value chez les autres et justement de s'enrichir et ensuite d'aller de l'avant. Voilà. En tout cas, un grand merci d'être venu. Mais c'est moi qui te remercie au Marvel. N'hésite pas à partager avec nous. Pas de soucis. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. Ça marche pas, il n'y a pas de soucis. C'est cool. C'est good. Merci à toi aussi, Dan, la caméra. Ok, Ludo, toi tu as l'habitude de venir à Bercy. Donc Ludo, j'aimerais savoir ton avis par rapport aux relations des pratiquants de street workout ici et la police. Ça se passe très bien, sauf que bon, c'est leur métier, hein. Il y a des lois, il faut les respecter, on est en plan Vigipirate, donc forcément la cagoule c'est dérangeant. Maintenant, ils savent que moi, personnellement, je viens ici, je fais mon sport. Il y a beaucoup de policiers qui, entre guillemets, me connaissent. Donc, ils ne me prennent pas la tête. Mais il y en a d'autres qui sont plus sur les lois, sur leur taf. Donc, parfois, ils viennent, ils disent la cagoule, nanani, nanana. Mais c'est compréhensible. Après, on va pas leur casser les pieds. C'est leur boulot. Hein. Mais il y a un truc que moi, j'ai remarqué. Tu me dis ce que tu en penses. J'ai l'impression que même là, au sein de la police, ils sont vraiment divisés. Il y a vraiment deux groupes. Il y a ceux qui valident ce que tu fais et qui capte le délire qu'on veut amener, et il y a ceux qui sont, comme tu disais, un peu plus basés sur les lois. Il y en a qui sont plus laxistes sur le fait que je porte une cagoule. Exactement. Et d'autres qui sont plus intransigeants sur le fait que je voudrais l'enlever. Exactement. Oui, exactement. Je comprends ta question. Et encore une fois, c'est comme dans tout. Oui, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Il y a des personnes qui seront plus cléments sur certaines choses et d'autres qui sont vraiment à cheval sur les lois. Donc voilà. En tout cas, tout à l'heure, on a eu un contact avec la police, chose qu'on ne mettra pas dans la vidéo, mais on a eu un super bon contact avec eux, ils ont été compréhensifs, ils ont été super cool, et s'ils se reconnaissent, un grand merci à eux. Bonjour, bonsoir les frérots, est-ce que vous allez bien? Ça va, très bien. Ok, les frérots, n'hésitez pas à parler bien fort. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous vous appelez comment? Simon. Adrien. Bastien. Ok. Vous venez d'où les frères? Paris, Toulon. Paris 12, à côté. Ok. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui en fait? Bah écoute, on était là il y a 7 ans. Ouais. Ouais. Tu peux te rapprocher un petit peu. On est là il y a 7 ans de fou. Et là on a vu le post qui est passé sur Insta. On s'est dit vas-y on va venir, il y a de l'ambiance et tout, on va kiffer. Okay, moi okay. Ça pète sur les réseaux, merci, du coup je me dis faut que je fasse une fois. Et je suis bien content, c'est de sa mère. Ouais. Ok, c'est lourd. C'est quoi votre objectif à vous trois dans le street?
En vrai, y a pas, j'ai pas d'objectif personnellement en particulier, mais toujours entretenir le niveau, parce qu'en vrai ça fait 7 ans qu'on s'entraîne au street, donc on essaye au moins de maintenir un bon niveau et toujours pouvoir être chaud quand on s'entraîne quoi. Moi c'est la perf, hein. Il faut que ça perf pour faire le meilleur perf et le muscle up clean. Donc voilà, le meilleur. Moi rentrer un peu de freestyle, maintenir le niveau, le handstand et tout. Et puis maintenant on est inscrit à la salle aussi, donc bon il y a des perfs à rentrer en salle également. Oh. Mais maintenir à niveau ouais, muscle up, tout ça. Ok, t'as parlé de performance, tu vas faire des compétitions ou pas? Moi je veux rentrer dans l'armée, donc il faut que je sois le meilleur perf au monde. Donc, ouais. L'armée de terre. L'armée de terre, ouais, rustique hein. Tu veux faire carrière dans l'armée quoi. Ouais c'est ça. Ok mais c'est bien. Et ça va, tu kiffes le rassemblement, t'as vu c'est sympa, c'est... qu'est-ce que t'en penses? Ouais ça motive. Quand tu as des streets où c'est un peu vide, ça donne pas vraiment envie, là ça sent la testo, c'est bien. Ok. Mais écoute, ça fait plaisir que vous partagez avec nous. Et j'espère que vous allez bien vous amuser aujourd'hui. Ok. Bien sûr. Avec plaisir. Pense à vous. Merci. Ok. Un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Le but de ce rasso, c'était de partager avec les frères Ludo et Broly. Je suis assez content de ce qui s'est passé. On a partagé avec les gens, on a rencontré des gens, on s'est entraîné ensemble, on s'est challengé un petit peu. Et c'est ça le plus important. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On va se retrouver encore pour d'autres vidéos, pour d'autres projets, vous inquiétez pas. Donc abonnez-vous fort et puis on est ensemble.